demander une fois encore un autre cadre, du ministère des Affaires étrangères et qui est aujourd'hui en poste ici aux États-Unis. Madame, Monsieur, veuillez bien vous lever une fois encore pour accueillir le vice-consul du Bénin pour les États-Unis. Merci, je vous applaudis, le vice-consul. On applaudit s'il vous plaît là, une autorité, un diplomate, voilà. Son Excellence, certainement parce que je ne l'avais pas dit, Son Excellence, il est parmi nous. Voilà, je vais lui laisser le micro rapidement. Merci, bonsoir, bonsoir tout le monde. Monsieur le vice-président du Bureau mondial du Haut Conseil des bénévoles de l'extérieur. Monsieur le délégué général du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, session Amérique et Caraïbes. Monsieur l'ambassadeur, directeur Afrique et Moyen-Orient, ancien consul général du Bénin à New York. Monsieur le délégué général adjoint du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, session Amérique et Caraïbes. Monsieur le Président de l'Alliance des Béninois de New York, New Jersey et Connecticut. Monsieur le Président de l'Association des Béninois de Indiana, de Chicago, de Baltimore, de Nebraska. Monsieur le Président de l'Union des Béninois pour le Développement. Monsieur le Vice-Président du Bénin Diaspora USA, honorables invités, mesdames et messieurs. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce soir devant vous au nom de Madame la Consule Générale du Bénin à New York, empêchée, pour vous saluer et remercier et surtout remercier le Bureau du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, session Amérique et Caraïbes, pour l'organisation de la 5e édition de la Journée des Béninois de l'extérieur. Cette journée, qui se veut non seulement festive, mais aussi une journée profonde de réflexion sur la synergie d'action à mener pour le développement de notre pays, le Bénin. Mesdames et messieurs, le Bénin a besoin plus que jamais de vous. Le Bénin a besoin de l'union de ses filles et fils pour booster son développement. Ceci doit partir de vous qui vivez à l'extérieur. Le Bénin a plus que jamais, comme je le disais tantôt, besoin de vous, plus que vous-même vous n'avez besoin du Bénin. L'action de la diaspora envers son pays d'origine est vivement attendue par le gouvernement pour accompagner les efforts du président de la République. Pour le rayonnement du Bénin, sur le plan économique, social et culturel. Pour ce faire, la porte du consulat général du Bénin à New York est grandement et largement ouverte pour recevoir vos projets, vos idées, votre expertise et vos expériences. Nous invitons tous ceux qui ne sont pas encore enregistrés au consulat général de bien vouloir se faire établir une carte consulaire qui est le premier document qui vous ouvre la porte du consulat général et qui vous permet d'être enregistré au niveau du consulat général en tant que bénévole. Je ne finirai pas cette allocution sans saluer tous ceux qui ont accepté, malgré la cherté du temps dans ce pays,
pour faire le déplacement de Newark pour soutenir cette journée, la journée des Béninois. Ceux qui sont venus de l'intérieur du pays, d'Indiana, de Chicago, de Nebraska, de Maryland, de Washington DC, de Ohio, etc. Votre déplacement témoigne de l'amour que vous portez pour votre pays. Et cet amour doit se faire ressentir dans ce que vous rapportez pour le pays. C'est aussi au nom de cet amour que je vous invite à faire de cette journée une parfaite réussite. Monsieur le délégué général, je souhaite plein succès à vos activités. Je souhaite que sorte de ces assises une bonne décision pour le pays. Et les apports sont attendus au niveau du consulat général afin que nous puissions rendre compte aux autorités compétentes de l'action des Béninois vivant aux États-Unis. Vive les Fils Unis du Bénin, vive la diaspora béninoise, vive le Bénin, que Dieu bénisse notre pays, notre cher et beau pays de Bénin. Je vous remercie. Tout à l'heure, tu nous disais que l'année mange depuis Chicago. Oui. Le comité local et le comité central nous chargent de vous dire que le buffet est discrètement ouvert par là-bas. Voilà. Et en même temps, nous allons appeler notre artiste humoristique. Oui.